Alors, bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. Bienvenue sur la page Harmony Scrap. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je suis donc Harmony Marais, démonstratrice Stampin' Up dans l'Indre. Tous les projets que je vous propose chaque semaine sont réalisés avec les produits Stampin' Up, bien sûr, mais ne vous inquiétez pas, vous pouvez les réaliser vous aussi avec le matériel que vous avez chez vous. Mais si vous voulez réaliser la même chose que moi, n'hésitez pas à vous rendre directement sur ma boutique en ligne ou à me contacter. Et sachez aussi que à la fin du live, eh bien, vous aurez accès sur mon blog harmoniescrap.fr à la liste des produits que j'aurai utilisés pour les deux versions, d'accord, avec toutes les références. Du coup, vous serez paré. J'espère que tout le monde est en forme ce matin, que tout le monde va bien. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau live, pour ce nouveau projet. Bonjour Annie, coucou Christelle. Sur YouTube, c'est nickel. Bon, écoutez, c'est déjà ça, c'est un début. Hein, nous allons. Voilà, vous savez, j'aime bien, je suis un petit peu geek sur les bords, donc j'aime bien de temps en temps améliorer. Voilà, chercher toujours à faire un petit peu mieux. Coucou ma petite Camille, bonjour Laurence, bienvenue, bienvenue, coucou Laurence, hein, ça me fait plaisir de te voir, enfin de voir les commentaires. On s'est rencontrés à un stage avec Laurence, c'était trop cool. Alors, quelles sont les infos cette semaine? Eh bien écoutez, j'ai l'impression que ça fait des lustres que je ne vous ai pas vu. Bonjour Jennifer, bienvenue. Mais bon, voilà, là, c'était Vienne la semaine d'avant. Voilà, vous m'avez beaucoup manqué, mais j'ai aussi beaucoup pensé à vous. Je vais faire une parenthèse rapide sur ce moment exceptionnel qui m'a reboosté et fait un bien fou. J'ai fait des rencontres qui m'ont rempli le cœur et ça n'a pas de prix, vraiment. Et j'ai vraiment hâte toute mon équipe puisse vivre ça un jour. J'ai partagé ça avec ma filleule Muriel Guillou, Mumu, qui a elle aussi donc sa page. N'hésitez pas à aller voir sa page aussi. Coucou Sabine! Voilà, un moment unique, incroyable, qui fait du bien au cœur, à l'âme, vraiment. Voilà, si vous avez envie de vivre ça, vous aussi, n'hésitez pas à rejoindre mon équipe. Vous allez voir, c'est juste magique. Vraiment. Alors, je vous parle juste d'une petite chose. Les inscriptions à la box mensuelle sont encore en cours. Bonjour Maria Isabelle, comment vas-tu? Sont en cours. Donc, vous avez normalement le lien dans la publication, mais si elle n'y est pas, je la mettrai tout à l'heure. Sinon, vous la trouverez bien sûr sur mon blog, comme chaque mois. L'occasion de recevoir un colis surprise tous les mois. Et puis, voilà, d'avoir un petit peu de produit. Voilà, surprise tous les mois. C'est assez sympa. Vous êtes très nombreuses à avoir sauté le pas de la box. Je vous en remercie vraiment du fond du cœur. Voilà, petit à petit, vous êtes de plus en plus nombreuses et ça me fait vraiment trop plaisir. Coucou Nathalie, comment vas-tu ce matin? Alors, c'est parti, on va commencer quand même hein, à faire notre carte. Voilà, bonjour Catherine, j'espère que tu vas bien. Alors, nous allons réaliser ce matin cette petite slide carte. En fait, c'est une carte qui coulisse. Voilà, on a un petit message ici. Hop. Et vous allez voir, c'est super simple à réaliser. Que vous ayez des dies ou pas pour faire la découpe, vous pouvez sans problème fabriquer donc l'ouverture ici avec un cutter tout simplement. Voilà, aucun problème. Je vous donnerai la mesure qui correspond si vous voulez à mon ouverture ici, si vous n'avez pas de dies, sinon aucun problème. Bonjour Marie-France. Oui, des super produits dans la box. Merci Marie-Christine, merci Mumu. Donc, pas beaucoup de matériel finalement pour réaliser cette belle carte qui a quand même un effet assez sympa, il faut le dire. Hein. Assez fun. Voilà, donc ici, une petite déco à l'intérieur pour donner encore un peu plus de cachet à notre carte. Merci Maritine. Voilà. Et donc, vous l'aurez reconnu ou pas d'ailleurs, si vous nous rejoignez pour la première fois, j'ai utilisé ici la collection Histoire de Gnome. Voilà, je vais vous la montrer ici. Donc, voilà
à quoi ressemble le papier. Vous avez ici recto verso à chaque fois. Cette collection se trouve à la page 43 de votre mini catalogue. C'est du papier au format 30-30 recto verso avec toutes les couleurs coordonnées ici. C'est ce qu'on aime hein, chez Stampin' Up, c'est que du coup on peut coordonner parfaitement les papiers unis avec les papiers design. Et ça, c'est vraiment sympa quand on est comme moi, pas très doué à l'origine pour coordonner les couleurs. Oui, 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 je vous assure. Ça, c'est vraiment trop cool. On a aussi les sets de tampons qui sont juste magiques, hein, on est d'accord. Je crois que beaucoup, beaucoup parmi vous ont craqué dessus. Et puis, coordonné avec les poinçons qui nous permettent de découper tous nos petits gnomes, mais aussi la maison champignon également, que l'on peut découper directement aussi dans le papier design. C'est d'ailleurs ce que j'ai fait ici. Voilà, le gnome et la maison champignon viennent du papier design directement. Donc ça, c'est génial. Voilà. Et si vous n'avez pas les dies, toc, 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 au ciseau, c'est trop cool. Super pratique. Aujourd'hui, je vais travailler avec une autre collection qui me fait franchement craquer. Mais j'ai pas perdu mon âme d'enfant, vous le savez. Et cette collection, elle est vraiment trop mimi. C'est Train du Père Noël. C'est avec ça que je vais réaliser la carte aujourd'hui. Même principe, hein, recto, verso à chaque fois. Et là, on est à la page 17 du catalogue. Toujours le papier au format 30-30. C'est juste magique. Hein. Puis alors, il y a plein de choses qu'on peut aussi découper au ciseau. Idem, je ne suis pas douée pour coordonner les couleurs. Ouais, alors avec Stampin' Up, c'est génial parce que du coup, il nous propose plein de combos. Et puis systématiquement, le papier design, on a le nom des couleurs unies coordonnées. Donc ça, c'est juste magique. Hein. Franchement, c'est peinard. On est tranquille. C'est trop beau, c'est trop beau. Et bien sûr, le set de tampons wagon de cadeaux. Alors là, c'est l'éclate hein, pour la colorisation. Que ce soit avec les crayons aquarelles, les blends, enfin bon, tout, vous savez. Hein. Allez jeter un œil sur le mois de la colorisation sur ma chaîne YouTube, vous verrez. Il y a plein de techniques possibles. Et évidemment, encore une fois, les poinçons, j'en ai quelques-uns d'avance, des découpes. Les poinçons qui vous permettent aussi de découper des motifs dans le papier design. Donc ça aussi, c'est super cool. Voilà, voilà. Alors, c'est parti. On va commencer donc à réaliser notre carte. Pas beaucoup de papier, je vous le disais. Hein. Hop. On a d'abord une base de carte. Alors, je récupère tout mon matériel. Toc. Voilà. Alors, une base de carte de papier uni, comme d'habitude, classique. 21 par 14,85. Ok. Alors, si vous avez préparé vos papiers à l'avance, eh bien, vous allez, je pense, pouvoir réaliser tout à fait en direct. Si ce n'est pas le cas, ne vous inquiétez pas. Vous pourrez, après le live, vous rendre sur mon blog harmoniescrap.fr, d'accord ? Et vous aurez, sur l'article du jour, vous aurez les photos de la nouvelle version, bien sûr. Vous aurez aussi la fiche technique avec toutes les mesures pour pouvoir refaire la création. La liste des produits que j'ai utilisés aussi pour la première et la deuxième version. Bref, vous aurez tout sur le blog, comme à chacun de mes lives. Donc, n'hésitez pas à y faire un tour dans les articles. Comme ça, vous verrez, vous aurez tout ce dont vous avez besoin pour faire le projet. Donc, base de carte, hop, et on fait un pli, toc, à 10,5 sur le bord de 21. Voilà, c'est quelque chose de très simple, hein, j'ai déjà fait à l'avance, mais ça, vraiment... Pas de souci, vous pouvez le faire de votre côté. Alors, je vais juste marquer mon pli correctement avec mon plioir. Voilà. Toc, je vous laisse quelques minutes les mesures ici. Donc là, on est bien sur la base de carte. D'accord. Ensuite, nous allons, dans un premier temps, prendre un morceau de matage, donc de papier uni, et le papier design. Je prends tout ça. Alors, le papier uni pour le matage, c'est ce qui correspond ici à mon baie des Bermudes. Il mesure 14,3 par 10 cm. Alors, j'ai marqué qu'il en fallait deux, tout simplement parce que je vais faire, comme pour l'intérieur ici, rajouter un morceau de matage avant de mettre un autre morceau de papier blanc, vraiment pour que ce soit
que ça attire un petit peu plus l'œil lorsqu'on ouvre la carte. Hop, alors, je vous demande juste un petit instant, je fais une vérification, j'ai l'impression de ne pas avoir tous les commentaires et j'en suis fort désolée. Je n'ose pas actualiser la page du logiciel, je vous avoue, j'ai peur de vous perdre. Alors, si je ne réponds pas tout de suite à tous les commentaires, je vous promets d'y jeter un œil après sans problème. Alors, ici, je suis donc sur le calico coquelicot, 14,3 par 10 cm pour le matage intérieur-extérieur de la carte. D'accord? Et le papier à motif, il est trop beau, hein, ça vous pouvez découper à la main. Le papier à motif mesure, lui, 13,8 par 9,5. Non, Fafa n'est pas là, Maretine, elle travaille, elle ne peut pas venir. 13,8 par 9,5. Ok. Première étape, tout simplement, nous allons venir coller le papier à motif sur le papier matage. D'accord ? Là encore, c'est très simple. Donc, je prends ma colle. Oh, je sens que le tube est vide. C'est pas grave, ça va le faire. Voilà. Hop. Donc, on vient coller notre papier à motif dessus. Toc. Je vous ai pas dit, sur ma base, je suis en pétale rose. Je suis vraiment restée dans les couleurs coordonnées à la collection. Voilà. Alors, maintenant, je vais procéder donc à la découpe qui correspond à la découpe ici, d'accord, pour réaliser notre petit mécanisme. Ok ? Pour cela, donc, deux solutions. Soit vous avez des dies adaptés, donc vous allez pouvoir les utiliser. Si ce n'est pas le cas, je vais vous donner donc les mesures qui correspondent à ce trou là que j'ai fait ici. Alors vous pouvez le dessiner et le découper donc avec un cutter. Ok, donc là ça fait à peu près 1,7 cm en moyenne, 1,7 cm et en largeur à peu près 9 cm. D'accord, donc je répète. Ici, si vous n'avez pas de dies et que vous faites au cutter, environ 1,6 et ici 9 cm. Et vous choisissez bien sûr l'emplacement hein, de votre... Je cherche un mot depuis tout à l'heure, je ne trouve pas. C'est pas opercule. Ouverture. Ouverture, c'est bien. Ouverture, c'est bien. De mon côté, je vais utiliser un dies, celui qui se trouve dans le lot moment lumineux. Bonjour Viviane, comment ça va? Voilà, on a des magnifiques dies dans la collection Moments Lumineux. C'est vraiment trop beau et du coup, je vais utiliser donc cette découpe-ci. Hop, alors, je vais prendre ma machine. J'espère que je ne vais pas faire trop trembler la table. Hop, je prends la machine. Voilà. Toc, mes plaques. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui réalisent en même temps que moi? Dites-moi. Et je vais venir, alors je vais essayer de ne pas tout casser ce matin, ça serait cool. Voilà, je pose mon ensemble matage papier design donc dans la machine. Je prends mon dies ici, je suis en train de voir qu'il me reste des petits bouts de papier. Ah coucou Rachel, je ne sais pas si je t'ai salué, désolée, ça me fait plaisir que tu sois là ce matin. Hop, Catherine tu fais aussi, super. Alors, je vais positionner mon dies, voilà, ici c'est pas mal. Est-ce que c'est bien celui-là que j'avais... hein ? Ah oui, c'était bien celui-ci. Hop. Alors, je le positionne, voilà, au centre ou pas, peu importe. Hein. Isabelle, tu prends des notes, pas de souci. Tu sais que tu pourras télécharger la fiche technique après si tu veux. Hein. Il y aura tout dessus. Marie-Christine regarde d'abord. Oui, oui, c'est vrai. Ok, et je passe dans la machine. Voilà. Hop.
Pour plus de sécurité, puisqu'on a quand même deux couches de papier ici, on peut passer deux fois. Voilà. Hop. Et du coup, on a notre ouverture qui est créée. C'est top, hein ? Et bien sûr, comme rien ne se perd dans le scrap, embrasse ta fille pour nous, Marie-France. On pourra... Bon, là, j'ai mis un peu trop de colle partout, mais on peut aussi récupérer cet ensemble. Moi aussi, je regarde et je coupe les boîtes du calendrier de l'avant. Ah, chouette. J'ai hâte de voir ta version, Maritime. Voilà, notre découpe est faite. Coucou, Sandrine, comment vas-tu ce matin ? Voilà. Ça va, j'ai pas trop fait bouger la caméra, ça a pas trop sauté. J'espère, en tout cas. Alors, tac, je mets tout ça de côté. Voilà, Harmonie, ferme ta colle, ça va sécher. Moi, je regarde et je fais après. Pas de problème. Alors, je vais reprendre ma base de cartes. Donc, vous aurez compris, ça va venir ici. L'outil très utile pour réaliser ce genre de cartes, ce sont les bandes adhésives en mousse. Ce sont des bandes qui sont plus longues que ce qu'on a l'habitude d'utiliser donc avec nos stampines dimensionnelles. Okay. Là, donc, c'est en forme de bande. Oh, Sandrine, je suis bien désolée pour toi. La Zona, c'est une vraie galère. J'espère que tu vas trouver un traitement qui va te soulager rapidement. Donc, nos bandes vont nous servir, en fait, à retenir cette petite... ce petit morceau de papier qu'on va ajouter là, en haut et en bas. D'accord ? Comme ça, ça ne bouge pas. Et du coup, on a une épaisseur là, vous voyez, qui nous permet, pareil, une super mobilité de ce morceau de papier. Justement, ce morceau de papier, je vais vous donner la mesure tout de suite. Tiens, c'est marrant, je ne l'ai pas noté. C'est 3,5 par 15. On va la contacter, Marie-Christine, ta binôme. T'inquiète pas, on va gérer ça. Il faudra que je vérifie qui c'est et puis on va lui envoyer un petit message. Donc, 3,5 par 15. 3,5 par 15 cm à peu près. Okay. J'ai arrondi les angles ici, pour que ce soit un peu plus doux. D'accord ? Et en fait, tout ça, ça va venir se glisser ici. D'accord ? Donc, il va falloir faire en sorte que, évidemment, ce soit droit. OK. Et on va venir, en fait, coller les bandes à l'arrière. Donc, quand vous allez positionner tout ça, faites bien attention à ne pas aller jusqu'au bout, ici. D'accord ? On ne va pas jusqu'au bout parce que sinon... Hop, ça risque de se sauver, donc on va mettre quelque chose ici. Oh, Claudine, tu te sens pas bien non plus aujourd'hui. Écoute, j'espère que tu vas vite te remettre. Prends bien soin de toi. Une petite tisane ou un petit thé bien chaud. Et j'espère que tu seras requinqué. Alors, donc, je vais coller mes bandes adhésives ici de chaque côté. Quand vous allez les coller, vérifiez bien sur l'avant ce que ça va donner. D'accord ? Pour bien caler, en fait. Donc, et puis que ce soit dans le bon sens de votre ouverture. J'essaye de détailler parce que on a probablement des débutantes présentes aujourd'hui, donc je ne voudrais pas trop les perdre. Donc, je vais prendre ma bande ici, voilà, et je vais venir donc la positionner de telle manière, bon, si tu pouvais éviter d'être tortillé, tu m'arrangerais, toi. Merci. Voilà, comme ça, à peu près là. Voilà, je ne la colle pas à ma bande, je laisse un petit millimètre. Voilà, hop, et du coup, je vais couper l'excédent. Toc. Voilà. Donc là, du coup, ça va être retenu par ici. D'accord.
D'accord. Je vais faire pareil avec une autre bande en haut. Oui, ça sera le haut. Tac. Voilà. Donc si je fais ça, peut-être que ça pourrait être pas mal. Alors, je vais essayer de ne pas vous coller encore ma tête dans le champ. Voilà. Tac, tac. Hop. Donc là, ma bande de papier va être retenue par la bande de mousse adhésive. Ok. Vous voyez, quand ça sera collé, ça viendra comme ça. Hop. Et du coup, eh bien, ça ne va pas se balader. Ok. Coucou Brigitte, comment ça va? J'ai trouvé 3,5 par 15. Oui, c'est pour cette bande-ci là. La bande blanche. Coucou Carole, comment vas-tu? Ça me fait plaisir que tu fasses un petit coucou. J'espère que tu vas bien, ma belle. Ok, alors, on continue. Donc là, il s'agit de ne pas se planter. Et pour finir, donc, je vais venir mettre ici un ou deux dimensionnels pour arrêter, en fait, la bande. Donc, plusieurs vérifications valent mieux qu'une. Je m'assure que c'est au bon endroit que je vais le mettre. Donc, c'est bien sûr ce côté-là. Ok. Parfait. Voilà, je vais en mettre un deuxième. Comme ça, on garde l'épaisseur et tout. C'est super. Voilà. Donc là, ça sera nickel ici. Avant, évidemment. Coucou Christine, comment ça va? Bienvenue. Avant de tout coller, eh bien, on va quand même mettre un petit quelque chose ici, on va tamponner. Alors, pour savoir exactement où tamponner, donc on présente notre bande, voilà, et on peut se servir d'un petit crayon, d'accord, pour savoir où le mettre. Si vous considérez que ça dépasse trop ici, vous n'hésitez pas à couper, hein, il n'y a aucun problème. Si vous trouvez que bon, là c'est un peu trop long pour vous, vous pouvez les réduire, aucun problème. La seule chose, c'est qu'il faut que ce soit facile à attraper. D'accord? Pour pouvoir bouger ce fameux message. Ok? Donc, je prends mon petit crayon. Et puis, du coup, juste plus vers l'intérieur, je fais une petite marque. Comme ça, je saurai où m'arrêter pour le message. Et puis, je pourrai le gommer après. D'accord? Mais avant de venir faire ce petit tamponnage, je vais caler le motif qui va bouger. Vous savez, ici, ma petite maison et mon petit gnome, d'accord? Il faut que je sache où je vais mettre l'autre. Et aujourd'hui, je vais utiliser ceci, le petit train, la locomotive avec le Père Noël que je vais coloriser après. Oups, bien sûr. Toc, donc il viendra à peu près là. Donc, je vais mettre un petit sentiment ici. Comme ça, ça viendra bouger. Ok. Voilà. Donc, j'ai à peu près cet espace-là pour venir mettre un petit message. Alors, hop, je vais me servir du set de tampons ici. J'essaye toujours de les ouvrir en douceur. Qu'est-ce que je vais mettre? Peut-être la féerie de Noël, tiens. Qui se trouve ici. Voilà. Toc. Alors, regardez-moi ça, ça tombe pile poil. Ça tombe nickel. Donc, je vais repositionner pour être sûre. Je prends quelques précautions, je sais, mais quand même, je préfère. Parce que je ne suis pas à l'abri, hein, vous le savez, d'une petite ou une grosse boulette, n'est-ce pas? Voilà, bon, veux-tu arrêter de me coller, toi? Merci. Hop. Voilà, ma bande est à peu près droite. Donc là, ça paraît pas mal. Ok. Tu l'auras un jour. Tu te moques, Mumu? Elle se moque de moi, la chipie. Non, non, mais vous savez, hein, la dernière fois que j'ai été en live, j'ai un peu foiré mon truc. Donc, voilà, je préfère, hein, être vigilante.
Quelle couleur je vais utiliser? Tiens, je vais mettre le calico aussi que j'ai oublié de prendre. Vous avez rien vu dans le bazar. Non, c'est pas vrai, c'est rangé en plus. Je prends mon encre. Toc. Et du coup, je vais venir tamponner ici. Là. Voilà. Je mettrai l'autre ensuite. Ok. Alors, ça me paraît pas mal. D'accord. Et maintenant, il me reste donc à coller l'arrière et à venir positionner avec, encore une fois, des dimensionnels, mon petit motif qui va suivre la bande. Bien. Alors, j'essaye de réfléchir que je fais dans le bon sens. Il était fait pour cet endroit, n'est-ce pas? On est parfaitement d'accord. C'était fait pour aller là. Donc, je vais effacer mes petits traits. Voilà. Hein, parce que c'est pas très esthétique, on est d'accord. Voilà. Tac. Nickel. Je vais venir à l'arrière positionner d'autres dimensionnels pour coller l'ensemble. Voilà. On essaye de disperser un peu pour que... Là, si j'en avais pas mis, par exemple, le papier aurait été un petit peu écrasé dans le coin. Donc, on disperse. Voilà. Hop. Tac. C'est bon. C'est bon. Pourquoi ça va plus, là? Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, bah tu vois, j'ai fait une boulette. C'est pas grave, je vais le réduire. Vous voyez, hein, comme quoi, hein? Je le savais. Je vais réduire un tout petit peu. C'est finalement un avantage de l'avoir fait un peu plus long. Voilà. J'avais du mal. Vous voyez, quand je vous dis qu'il faut vraiment vérifier plusieurs fois, eh bien, je devais le sentir. Voilà. Et du coup, maintenant, je vais pouvoir venir coller. Donc, je retire toutes mes opercules. Je sens qu'il y en a qui vont se marrer. Et qui vont se moquer de moi. Taratata. Tac. Bon, évidemment, je vais me retrouver avec des petits bouts d'opercules de dimensionnel partout. Vous êtes comme moi. Hein, moi, j'arrive à en retrouver. J'arrive à en retrouver dans mon lit. Ça fait rire mon chéri, évidemment. Nathalie, t'es perdue? Oh, écoute, oui. Tu reprendras en replay tranquillement. Hein. Voilà, et là je viens coller ça. Alors, je vais essayer de ne pas mettre ma tête dans le champ, mais faire en sorte que ce soit équilibré, mon histoire. Voilà. Et là, du coup, je vais pouvoir tirer la petite languette. Toc. Voilà. Et maintenant, je vais venir donc coller le petit train avec des dimensionnels que je vais coller directement sur la bande blanche. Jennifer, tu te moques en fait? Je savais qu'il y en avait qui se moqueraient, c'est sûr. C'est sûr. Bah, je sais que c'est pas méchant. Allez, je vais le mettre là. Bon, je vous cache pas que je stresse là. Du tout. Je suis désolée, hein, mais tes emojis prouvent le contraire. Hein. Quand la boulette nous tient, tu m'étonnes, Karine. Non, non, mais regardez, ça va le faire. Toc. Et du coup, il suivra. On imagine. Hop là. Qui aime bien, châtie bien. Oh, vous êtes des amours. Si, si, justement, ma routine, regarde. Tac, il est pas collé. T'inquiète pas, ça sera pas cette boulette-là que je vais faire aujourd'hui. J'ai préparé mes Stampin' Blends. Du coup, ça va vous permettre de faire un petit rappel de colorisation. J'ai préparé déjà mes crayons. Je vous rappelle surtout qu'on utilise toujours l'encre Memento avec les Blends. N'aie pas peur, ma routine. Je suis réveillée ce matin, tout va bien.
J'ai fait 5 km de vélo d'appartement ce matin, histoire de me dérouiller un peu. Ça m'a réveillée. Je vais prendre le pâle clair et le pâle moyen dans un premier temps pour venir coloriser mon petit Père Noël. Donc là, je pars sur le clair. Je vais essayer de faire ça assez rapidement pour pas vous ennuyer. Ça m'ennuierait que vous vous ennuyiez. Le foncer pour donner un petit peu d'ombre à notre petit Père Noël. Je vais lui faire des petites pommettes là. Voilà. Hop. Des petites pommettes. Parce que le froid, ça donne les joues roses. Oui, ma routine, elle attendait qu'une chose, c'est que je fasse une boulette ce matin. Est-ce que si je zoome, ça vous aide? Attendez. Vous verrez peut-être mieux. Ah voilà, vous allez voir mieux comme ça. Je vais prendre du macaron à la menthe pour coloriser la locomotive. Voilà, je reste dans la couleur du papier design. Voilà, donc le clair. Bon, une locomotive macaron à la menthe. Il y en a qui diraient mais nous on s'en fiche en fait, on colorise comme on veut, hein? On se fait plaisir, c'est tout. Voilà. Hop, ici. Le bas de la loco ici. Toc. Un petit peu de clair ici aussi. Puis je vais faire, allez hop, comme ceci. Je vais prendre un peu de foncé pour ombrer. Merci Viviane, ça c'est gentil, ça me fait plaisir. Est-ce que vous allez la faire Viviane, cette carte? Est-ce que tu vas la faire? Je crois qu'on avait dit qu'on se tutoyait. Hein. Hop. J'utilise, comme je vous avais expliqué, les motifs de tamponnage pour ombrer un peu. Voilà, je me sers vraiment des motifs. Voilà, là on peut imaginer qu'il y a une ombre ici. Ok. Donc ça c'est ok pour le macaron à la menthe. Et je vais prendre du pétale rose, le clair en l'occurrence, pour coloriser un petit peu ici à l'arrière. Voilà, c'est juste histoire de donner un petit peu de couleur. Donc, je vais rester juste sur le clair pour cet endroit-ci précisément. Voilà. J'adore la colorisation. Franchement, je kiffe. La menthe, ça peut faire hivernal. Ouais, t'as raison, Jennifer. C'est vrai. Exactement. Et en fait, je me suis inspirée pour la colorisation tout simplement du papier design. Parce que vous regarderez bien. Eh bien, il y a des endroits où la locomotive, elle est à peu près colorisée avec ses couleurs. Voilà. Donc, on n'a pas peur. Voilà. Un petit peu de pétale rose autour de la roue, comme ça. Voilà, histoire qu'elle ne soit pas toute noire. J'ai oublié de mettre un peu de foncé ici. Juste ici. Voilà. Et maintenant, je vais prendre mon calico coquelicot. Et en fait, pareil, je vais donner un peu de couleur ici. Comme ceci, juste un petit trait sur ces diagonales-là. Voilà, ça va habiller un petit peu. Toc. Nickel, hein? Ça vous plaît? Est-ce que vous aimez ça, vous colorisez? Un petit peu de rouge ici. Voilà. Toc. Alors, je vais reprendre le clair. On va s'occuper maintenant du manteau et du bonnet du Papa Noël. Tac. Voilà. Et ici, je vais faire ces petites manches. Mumu, elle aime ça, la colorisation. Un petit peu, je vais prendre mon autre pointe de foncé, hop, pour faire un petit peu d'ombre sous la barbe du Papa Noël ici. Voilà, parce qu'on imagine qu'il y a des plis dans son vêtement. Hein? Tac, voilà. Et pour finir, je vais faire donc ici, moi je vais faire en bicolore, tiens. Donc un peu de pétale rose ici. Voilà. Et puis, je vais rester sur le rouge.
Jennifer, tu adores la colorisation et surtout l'aquarelle. Ah, donc j'imagine que tu as bien pris la main sur l'aquarelle. C'est vrai que ça rend super bien aussi. La colorisation au blends est beaucoup plus vive, hein, bien sûr. Moi, ça a un côté vraiment satisfaisant. J'adore ça. Alors, c'est une première fois. Oui, beaucoup. Et l'aquarelle aussi. Ah, est-ce que Bernadette, vous avez des blends du coup? Est-ce que vous les avez déjà testés ou pas encore? Voilà. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Ah oui, je vais faire l'avant. Voilà. Ici. Elle va être trop jolie la locomotive, vous allez voir. Du plus clair, un petit peu de foncé. Voilà, j'insiste ici et je réduis là. Voilà. Et un petit peu. Il est vieux, il plie. Bon, bah ça va mieux, Maritine. T'as retrouvé ton humour, ma biche. Ça fait du bien. Ok, et puis juste un petit peu de noir nu, tiens, pour changer un peu. Pour les moufles du Père Noël. Ça peut être pratique, hein, les moufles, pour bosser et pour livrer les cadeaux, mais enfin bon. C'est lui qui voit, hein. Et voilà. Voilà. Du coup, vous avez vu. C'est sympa, hein. Vous en pensez quoi? Ça vous plaît? Tout simple. Vraiment tout simple, mais du coup, on s'éclate. Alors, je vais dézoomer. Coucou, je suis revenue. Voilà. Alors, je vais maintenant donc retirer cette fois les opercules des dimensionnels et on va croiser les doigts pour que tout aille bien. Vous avez vu? Ça rend bien, hein? Du coup, le petit train, il va pouvoir aller se promener. Ça va être sympa. Allez, croisez les doigts pour moi, que tout se passe bien. Qu'il n'y ait pas de soucis. Toc. Voilà. Attention. Yes. Pas mal, hein? Ça vous plaît? Il se promène. C'est trop mignon. Merci Bernadette, ça c'est trop gentil. Quand je vois des mots du style magnifique, je vous jure, moi ça me donne un coup au cœur à chaque fois. Ça me touche à chaque fois en plein cœur. J'ai vraiment pas l'impression de faire des trucs extraordinaires, mais quand je vois que ça vous plaît, ben ça me remplit en fait, ça me fait du bien. Alors, la question est de savoir si je vais avoir assez de place pour faire un petit tamponnage ici. À votre avis, vous en pensez quoi? Est-ce que un wagon de cadeaux qui serait quand même vraiment trop bien ici va le faire? Nous allons voir ça tout de suite. Le verdict va tomber. Franchement, les filles. Sérieusement. Vous avez vu? C'est fait pour aller là. Hein. C'est trop bien. Du coup, comme mon papier est pétale rose, ma base de cartes, je vais tamponner ce message-là en noir. On ne rigole pas, j'ai encore oublié de sortir mon encre. Pourtant, j'avais tout le reste. Hein. Tac. Donc, je vais prendre mon encre noire et je vais venir tamponner ce petit sentiment ici. Désolée pour ma tête, faut que je le trouve. Là. Voilà. Ça va être tip top. Merci, Jennifer. Alors, attention, pas de blague encore. Désolée pour ma tête. Ouais, je vais essayer de décaler un peu. Yes, c'est cool. J'adore. Merci Catherine. Comment ça va ce matin? Je vous avais pas vu. J'adore. Du coup, Ferry. De Noël, le petit train, le petit train, le petit train, un wagon de cadeaux. Mais oui, mais j'ai encore 3 ans et demi en fait. Alors,
pour, si vous avez coupé un petit peu plus court ici, vous pouvez donc faire comme sur mon premier modèle. J'ai plein de papier. Rajouter un petit morceau de ruban. Ici, j'ai utilisé le ruban Piscine Party. Il est incroyablement beau. Je l'adore. Et j'ai rajouté une petite déco ici. Mais là, je vais utiliser un ruban qui est dans le catalogue et que j'avais carrément pas repéré. Et pourtant, il est trop beau. C'est justement le ruban pétale rose. Et il est super joli. Il est vraiment très sympa. Alors, normalement, j'ai coupé un petit bout déjà. Voilà. Et je vais peut-être même le réduire un peu par rapport à ça. Et je vais le coller en fait avec des glue dots. Voilà. Du coup, ça va faire une petite sortie supplémentaire. Mais vraiment, je vais le couper un petit peu plus. Hop, qu'il soit un petit peu plus court. Voilà, donc il en faut vraiment pas beaucoup, hein, vous voyez. Pas beaucoup. Je vais venir le coller au centre ici. Voilà, avec mes glue dots. Vous savez, c'est les petits points, les tout petits points de colle double face. Voilà. Donc, prendre d'un côté et de l'autre. Ça colle bien, ça colle vraiment très très bien les glue dots. Je le centre. Voilà, pareil de l'autre côté. Ah, je ne l'ai pas vu, je note. Mais oui, il est super sympa. Et en fait, le pétale rose en ruban, on en a pratiquement. Bah, c'est le seul qu'on ait en fait. Et il est vraiment très sympa. Donc il est plus épais. Hein. Ça ressemble un peu. C'est du polyester en fait. Récupérer ici. Les points de colle, c'est la vie chez Marutine. Ah, bon, écoute, parfait. Hop. Voilà. Et du coup, voilà, ça fait un petit truc en plus ici. Et si on veut, on peut faire donc rajouter une petite déco ici. Donc, je vais prendre les gemmes scintillants, ils sont trop beaux aussi. Voilà, avec mon outil touche à tout pour la récupérer. Je ne sais pas trop lequel je vais prendre, celle-là, je pense. Hop. Voilà, ça fait une petite touche de brillant ici. À ce niveau-là, c'est assez sympa. Je vous montre de plus près. Vous voyez, ça habille un peu. Hein. C'est chouette, hein? Ça vous plaît? Il me reste plus qu'à mettre mon papier à l'intérieur. Je fais un petit peu de place sur mon bazar. Voilà. Alors, pour cela, vous vous souvenez, je vous avais dit, il vous faut un morceau de matage de 14,3 par 10 cm. D'accord? Et puis, un morceau de papier blanc qui mesure, en fait, comme le papier design ici, 13,8 par 9,5. D'accord? Et je vais ajouter, je pense, un sentiment ici comme j'avais fait sur l'autre. Et je pense que je vais utiliser ceux-là parce qu'ils sont vraiment incroyables. Qu'est-ce que je vais mettre? Que votre Noël brille de tous ses feux avec l'amour de ceux qui vous entourent. Ça, si c'est pas des messages parfaits pour les fêtes, je sais pas ce que c'est. Il est incroyable celui-là. Vraiment, ce set de tampons, il est vraiment magnifique. Alors, je crois que c'est celui-là. Oui, c'est celui-ci. Donc, je vais venir le tamponner ici. Merci beaucoup, Marie-Christine. Qu'est-ce que tu me dis, Marutine? Moi, j'adore. Jolie pour les fêtes, cette petite carte pour les enfants. Ouais, et puis même pour les adultes. Hein. J'ai envie de te dire. Hop, un petit tamponnage en calico coquelicot. Voilà. Alors, c'est pratique quand on a du papier quadrillé, ça aide à positionner correctement. Alors, attendez. Hop. Voilà, c'est trop beau.
rien que ça, en fait, ça va clairement habiller la carte, même à l'intérieur. C'est vraiment trop chouette. Je vais coller tout ça. Et du coup, on aura fini cette petite création. Voilà. Et je vais venir la coller à l'intérieur, ici. Toc. Du coup, on reste dans les mêmes tons. On habille aussi l'intérieur de la carte. On a quelque chose de complet. Oh, ça bouge tout seul. Et voilà. Notre slider carte est fini, la carte qui coulisse. Du coup, ça bouge un peu. On a vraiment l'impression que la locomotive, elle est mobile. Je trouve ça trop cool. Oups, c'est rien. Féerie de Noël. Un wagon de cadeaux. Et on ouvre et on a un magnifique message à l'intérieur. Ça, c'est vraiment un vrai plaisir. Regardez. Vous avez vu? C'est chouette, hein? Ça vous plaît, vous aussi? Moi, j'ai l'impression d'avoir 10 ans, hein. Franchement, c'est trop cool. Merci, Jennifer, c'est gentil. Voilà nos deux versions pour la slider car. C'est chouette, hein? Ça vous donne envie de la faire? J'espère que je vais voir vos créations. Ma routine, elle aime les deux. Bah ouais, mais les deux collections, là, en même temps, elles sont juste incroyables, j'ai envie de dire. Non, vous trouvez pas? Moi, je trouve qu'elles sont trop chouettes. Et ben voilà, ça y est, on a terminé notre slider card. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que vous allez vous aussi la réaliser. Et puis surtout que vous allez partager à tout le monde justement cette création, que tout le monde puisse en profiter, la réaliser à son tour. Voilà, partagez votre passion pour les loisirs créatifs, le scrap en l'occurrence, et la carterie aussi. Vous savez, vous qui scrapez, que ça fait du bien en fait de faire du scrap. Ça nous permet de se sentir bien, de tout oublier, de se mettre dans une bulle. Et vraiment, ça fait un bien fou. Et je suis sûre que vous avez envie de partager ça pour qu'il y ait d'autres personnes aussi qui puissent profiter de ce bien-être que peut apporter cette partie création. Merci beaucoup, Christine. Alors, n'hésitez pas, partagez vos créations, partagez les tutos que vous voyez, qu'on vous donne, qu'on vous offre. Partagez-les au maximum pour apporter un petit peu de joie, de fun, de plaisir, de bien-être à tout le monde. Ça fait du bien. C'est... Voilà, ça fait du bien. On est d'accord? On est d'accord. Voilà, j'espère en tout cas que vous avez passé un bon moment en ma compagnie, que ce fut un moment de détente pour vous, de plaisir, que j'ai réussi à vous apporter un petit peu de sourire ce matin. En tout cas, oui, vous m'en avez apporté beaucoup, vous me faites du bien, alors je vous remercie du fond du cœur. J'ai hâte de vous retrouver la semaine prochaine pour un nouveau live. Je suis toujours en retard pour ma déco, ça prend du temps infini. Prends ton temps avec la déco, vraiment. Fais-toi plaisir, faut que ça reste un plaisir, Rachel, vraiment. Merci beaucoup, Christine. Prenez bien soin de vous, surtout. Éclatez-vous. Et puis je vous donne rendez-vous très bientôt. N'oubliez pas la fin des inscriptions de la box mensuelle, c'est le 25. Après, je clôture pour pouvoir faire le point et passer les commandes quelques jours après. Donc, c'est encore possible de vous inscrire. En attendant, merci à toutes et à tous. Prenez soin de vous et rendez-vous très très vite pour de nouvelles inspirations, de nouveaux tutos et nos nouveaux rendez-vous en live. Ciao tout le monde !